and 8 seconds to play. We're all level at 41. Is it the Tigers who will get the last word? Deng gets it out. There's Manyang, Manyang, Manyang! Un tir de Ngor Manyang qui donne l'avantage aux Cape Town Tigers à la pause d'un match palpitant. Annoncé favori sur papier, les Marocains de FUS sont bousculés. Karim Hatem, d'un tir rageur, essaie de remobiliser les siens. FUS croit avoir renversé la vapeur avec 3 points de plus à 5 secondes de la fin du match lorsque Sam Kelo-Sele envoie Sud-Africain et Marocain en prolongation. Gonflés à bloc, les Cape Town Tigers ne vont rien lâcher pendant les prolongations et s'imposent 91-88. Les Sud-Africains se qualifient ainsi pour les demi-finales. Aymen gets possession back. Orabi moves into position. He goes for the long range shot. 3 points, Aymen. Al Ahly Benghazi qui s'accroche dans ce quart de finale face au champion en titre Al Ahly d'Égypte. Pas étonnant au vu de la performance des Libyens en match de poule. Nicely done. Made in South Sudan. Les Libyens enlèvent les deux premiers cartons. Tony Mitchell Jr. d'Al Ahly du Caire relance son équipe. And Al Ahly need to get some points. It goes up and in. Look at that. And Mitchell Jr. nailing a corner three. Point play. And now you can say that Al Ahly have come alive. Robert Golden répond. Gordon! Oh, Gordon! That is just golden, isn't it? Really trying to calm the game down and see. Majok Macha Deng enfonce le clou. Les Égyptiens poussent. Nasser se lance. Trop tard, les Libyens réussissent leur coup avec Majok qui totalise 25 points et permet aux siens de sortir les champions en titre égyptien 86-77.